Salut à tous, c'est Chérica, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Lego Pirates des Caraïbes. Comme tu avais vu dans la dernière vidéo, on avait fini l'épisode 2. Donc on avait fini vraiment le film 2, là on commence le film 3. Donc c'est parti pour 5 nouveaux épisodes sur cette série là. Ah, sur ce film là, enfin tu m'as compris. On va essayer de se poser, de rester calme et de faire les épisodes du mieux que possible. Je vais pas m'amuser à ramasser toutes les pièces. Enfin, normalement, je vais pas m'amuser à ramasser toutes les pièces. Je vais voir si je vais continuer dans les 7 épisodes à pas tout ramasser. Mais je vais essayer de faire ces épisodes le plus rapidement possible. Vous êtes toujours super nombreux à suivre cette série et ça fait vraiment super plaisir. Maintenant je sais que je suis pas non plus un youtubeur let's play, enfin voilà, tu vois, j'ai pas un commentary pour vraiment le let's play, mais j'essaye de faire de mon mieux. Je sais pas ce qu'il fout dans l'eau lui. Bah, je sais pas ce qu'il foutait dans l'eau plutôt. Allez, on essaie d'aller plus vite possible quand même. J'ai pas envie de traîner non plus dans cet épisode, surtout que c'est les débuts, donc du coup voilà, t'as quand même énormément de choses à faire, à découvrir également. J'aime bien cette petite musique d'ambiance là. Enfin, toi, tu l'entendras peut-être pas, mais moi, j'aime bien cette petite musique d'ambiance. Franchement, ça te met vraiment dans l'ambiance de Singapour, etc. C'est un truc de fou. Enfin, je vais essayer de te faire le... J'ai mal à la gorge en fait, j'ai attrapé froid et du coup voilà, je vais essayer d'économiser ma voix au maximum, mais pour que tu m'entends quand même un petit peu. Enfin un petit peu, que tu m'entends bien plutôt. Continue à avancer. Voilà, ça c'est des pièces faciles, on les ramasse. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos extraits de vidéos si vous voulez passer dans la prochaine YouTube. Vous pouvez m'envoyer du Rocket League, mais également d'autres jeux. Je vais essayer de faire en sorte d'intégrer plusieurs jeux dans la même vidéo. Maintenant, voilà, tu vois, c'est pour montrer vraiment ce que toi tu fais. Donc envoie-moi tes meilleurs extraits, m'envoie pas une game comme ça qui dure 2 heures. C'est pas la peine, je vais prendre vraiment le début de la vidéo, je prendrai pas non plus toute la vidéo. Donc si tu peux, bah, de préférence m'envoyer des extraits d'une minute ou deux, ça serait le top. Maintenant, si tu m'envoies des vidéos qui durent un petit peu plus longtemps, je vais pas pouvoir tout regarder toute la vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui m'envoient des extraits. Et je peux pas non plus me permettre de tout regarder, sinon laisse tomber, j'ai plus de vie. Alors c'est quoi ce système? Ok.
ça va quand même assez. Ça va, quand tu commences à comprendre le sens, ça peut aller. Enfin, toujours tu te trompes de côté, enfin en même temps c'est moi quoi ça. C'est tellement normal ça avec moi. Je ramasse quand même un petit peu de pièces. Si vous aimez ce genre de vidéos, les let's play, les trucs comme ça, n'hésite pas à partager la chaîne un petit peu partout autour de toi, ça fait toujours plaisir, tu vois, surtout quand vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, ça fait super plaisir. Là les vidéos, c'est sûr que depuis que j'ai arrêté les pubs, il y a pas mal de personnes qui se sont barrées. Maintenant, tu vois, je m'en fous, je suis pas là non plus pour faire que ça. Mais bon après comme voilà tu vois moi j'aime bien que le travail soit reconnu quand même. Maintenant si vous êtes de plus en plus nombreux à faire vous êtes de plus en plus nombreux à être sur la chaîne et à vouloir partager, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Plus vous êtes nombreux sur la chaîne et plus il y en aura et plus le contenu sera travaillé. Enfin le contenu est déjà travaillé d'ailleurs, je vais repartir sur mon autre chaîne également. Pour faire un style de vidéo totalement différent. Maintenant, je dis pas que ça va commencer tout de suite. On va mettre ça en place. Et je te fais la surprise. Et puis de toute façon, quand tu verras ce que ça va être, tu vas te dire mais putain, mais j'irai qu'à qu'est-ce que tu nous fous là? Au moins cette chaîne-là, la chaîne spéciale Shirika. Cette chaîne-là va rester spécialement pour le gaming. Et l'autre chaîne, ça sera vraiment la chaîne où je vais vraiment me lâcher. Alors tu vas avoir du podcast, tu vas avoir également des vidéos spéciales totalement what the fuck quoi. Tellement ça va partir en couille.
comme tu peux le voir, t'as pas mal de... T'as pas mal d'endroits différents. Excusez-moi pour la toux. T'as pas mal de petits trucs à... Des petits passages où ils te réclament un personnage, etc. Je crois que je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais ceux qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos, mais que t'arrives là maintenant sur cette vidéo-là, là, sur cette... ce petit moment de bonheur avec moi. Voilà, c'est pour les jeux libres. De toute façon, tu débloques tous les personnages du jeu et où tu peux les acheter, bien sûr. Et voilà, tu vois, dans le jeu, tu peux aller en jeu libre et tu as d'autres petites missions à faire. Maintenant, c'est des missions. Voilà, c'est si tu si tu as d'autres choses à faire, si tu as des vidéos que tu n'as pas encore. Zut. Si t'as d'autres vidéos, merde, pourquoi je parle de vidéos? Si t'as d'autres moments de cet épisode que t'as pas fini, qui te manque des pièces, qui te manque des choses, comme t'as des trucs qu'il faut casser, or que t'as pas les bons personnages, ils te réclament un personnage comme là dans, dans certains endroits tu dois débloquer le chien, etc. Voilà, moi tu retournes en jeu libre et tu prends le personnage que tu veux. Dans l'épisode 1, il te disait que les trucs métalliques, tu pouvais les casser avec un gun. Là, maintenant que t'as le gun, tu peux pas les casser. Et j'ai remarqué là, depuis la fin de l'épisode 2, du deuxième film, j'ai remarqué que avec les guns, on peut plus tout casser. Et ça, c'est. Ah, voilà, tu vois, ce que t'as appris dans l'épisode 1, c'est plus pareil dans l'épisode 2, enfin voilà, tu vois, c'est assez compliqué quand même à chaque fois, faut toujours faire attention à ce genre de choses. Mais bon, après, c'est un truc à prendre. Mais je préfère te le dire parce que si t'es en train de jouer au jeu là et tu dis putain, Shirika il m'a dit ça, et puis en même temps, c'est plus le cas, voilà quoi, j'ai pas envie non plus que la manette se retrouve dans ton écran et puis que je reçois un snap, et puis que voilà quoi, je vois, c'est de ta faute, Shirika, j'ai cassé ma télévision. Ça, c'est un truc qui me fera toujours délirer hein, quand tu vois les gros trucs à porter et que le personnage laisse tomber quoi. On dirait une fourmi et puis t'as un bazar qui fait 10 fois sa taille.
bien pensé. Là, je fais de la merde. Je cherche après les personnages que je viens d'exploser. En même temps, Jerika, il a jamais rien compris à la vie. Des fois tu fais un saut qui fait 1 km de long, là le bateau est juste à côté, tu fais pour sauter dedans, non, fallait tirer sur la cible. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était ton serviteur, c'était Jerika.